Bonjour tout le monde. J'étais censé parler d'autre chose aujourd'hui. En fait, j'ai pris un peu mon temps en parcourant les premiers cours, et en particulier sur ce sujet de la S-adénosylméthionine, dont vous allez voir encore toutes les surprises. Mais voilà, donc dans le cours d'aujourd'hui était prévu sur un autre sujet, mais à nouveau, en prenant un peu plus le temps, il n'y a plus aucune règle qui s'applique dans le contexte actuel. Je vais continuer et finir de parler de la S-adénosylméthionine, à nouveau pour vous faire sentir le caractère absolument incroyable de cette molécule et la façon dont la nature l'utilise de façon extrême. Et donc, maintenant, après avoir introduit une chimie radicalaire qui est quand même assez rare dans le monde du vivant, la chimie du vivant, c'est essentiellement une chimie ionique. La S-adénosylméthionine nous a ouvert sur le monde de la chimie radicalaire à nouveau. C'est un défi, puisque les radicaux organiques intermédiaires qui se créent, que ce soit des radicaux substrats, des radicaux produits, sont des espèces extrêmement réactives et qu'il y a un enjeu considérable à pouvoir les contrôler, les transporter et les faire réagir spécifiquement avec une cible et pas n'importe où. Donc c'est vraiment une très très grande difficulté. Mais si la nature a choisi ça, c'est bien parce que ce sont des outils chimiques d'une très grande utilité et que pour certaines réactions, eh bien, les mécanismes ioniques ne fonctionnent pas et ce sont des mécanismes radicalaires qu'il faut mettre en œuvre. Et alors dans le cas de la SAM, voilà, le dogme il est là, jusqu'à il y a très peu de temps. C'est la S-adénosylméthionine, lorsqu'elle est fixée à ce fer soufre, elle se casse ici. Et ça donne ce radical qui fait toute la chimie des enzymes radicales SABR. Eh bien, je vais vous montrer que ce n'est pas vrai, que ce n'est plus vrai, et qu'il y a toute une série de développements radicalaires qui ont été mis à jour tout à fait récemment. Et le premier exemple, c'est la biosynthèse de la diphtamide. Qu'est-ce que c'est que la diphtamide? C'est ce dérivé d'histidine qu'on trouve sur cette protéine, EF2. EF2, c'est un facteur d'élongation présent chez l'homme. Et il s'avère qu'elle est importante, cette diphtamine, parce que c'est la cible d'une bactérie, qui est Corynebacterium diphtériae, qui est responsable de la diphtérie, qui émet cette toxine, la toxine diphtérique, et que cette toxine s'attaque spécifiquement à cette diphtamide, et en particulier à travers une modification, une ADP ribosylation qui déclenche une inactivation de ce facteur d'élongation, et ça a un effet évidemment toxique. Je ne vais pas parler de l'effet de cette bactérie, je vais parler de la modification qui est introduite dans la diphtamine. Et cette biosynthèse est assez conservée chez tous les organismes, pas tout à fait exactement, puisque chez les eucaryotes, c'est 7 enzymes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, DHP, alors que chez les archées, par exemple, c'est 4 enzymes, 2, 5, 6, 7, et ici, la 2 fait le même travail que 1, 2, 3, 4 chez les eucaryotes. Et il s'avère que la S-adénosylméthionine est impliquée dans les deux premières étapes. Comme vous le voyez ici, cette histidine est transformée à travers l'introduction d'un aminocarboxypropyle, c'est-à-dire cette partie-là de la SAM. Et ensuite, il y a une méthylation, plusieurs méthylations sur l'amine et formation d'un ester, puis ensuite hydrolyse
et amidation pour donner la diphtamine. Mais je m'intéresse aux deux premières étapes. La deuxième, des pH 5, hein, chez les eucaryotes et les archées, est classique, c'est juste une méthylation standard ionique. Donc je reviens à ça. Alors, ici, vous voyez, introduire, créer une liaison carbone-carbone là, sur une histidine, ça ne marche pas avec un mécanisme ionique. C'était assez évident que... il ne pouvait pas y avoir une chimie ionique ici. Et en même temps, cette DPH2, alors ici, c'est assez pratique de travailler sur cette enzyme 2 qui résume 4 enzymes. Donc, il y a eu beaucoup de travail plutôt chez des archées. Et en même temps, ça ne paraissait pas tellement radicalaire puisque non seulement il n'y avait pas la signature, vous savez, des cystéines CX3, CX2C qui est présente chez les radical SAM, et bon, il n'y avait pas d'évidence de mécanisme de cette réaction. En 2010, il y a eu une structure de DPH2 de cette archébactérie thermophile, hyperthermophile, Pyrococcus, et donc, à nouveau, vous pensez qu'au moment où ces gens travaillent, ils ne savent pas si c'est une radicale ça. Bon. Mais là, on voit très clairement, même s'il n'y a pas de cluster Fersouv, parce que c'est probablement sous la forme d'une apoprotéine, on voit des clusters de cystéine, évidemment, qui sont bien organisés, même si, vous voyez, les séquences ne collent pas avec CX3, CX2C, qui sont bien organisés pour fixer des Fersouv. Et de fait, ce qui est montré ici, c'est... que cette protéine est en effet capable d'être maturée sous forme de fer soufre. Enfin, voilà, c'est les stratégies classiques, spectroscopiques, cristallographiques, UV visible, spectroscopie RPE, spectroscopie Mossbauer et évidemment cristallographie qui montrent que, en effet, cette protéine est une protéine fer soufre et que ce fer soufre est absolument essentiel pour l'activité. Et que c'est SAM dépendant, mais ça c'était connu. De sorte que ensuite le mécanisme qui a été proposé et démontré, c'est le fait que, et c'était la première fois que c'était démontré, que la réduction de la S-adénosylméthionine ne conduit pas à une coupure homolytique de cette liaison soufre-carbone, mais de celle-ci. Voyez, pour donner ce radical. Et ce radical. Ces radicaux, comme vous l'avez vu d'ailleurs avec la 5' déoxyadénosyle, est capable de s'additionner sur une double liaison. C'est ce qui est fait ici. Et cette chimie-là de DPH2 en absence du substrat conduit à des produits qui dérivent hein, de ce radical, qui sont des preuves supplémentaires qu'il y a une nouvelle chimie radicalaire de coupure de ce côté-là, et c'est ce qui est indiqué ici à nouveau. Vous voyez, réduction par le fer soufre, cassure ici et pas là, et ensuite addition radicalaire. Bon, en 2018, un certain nombre de structures, de comparaisons, de structures radical SAM classiques et de structures de la DPH2, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ont essayé de comprendre sur le plan structural pourquoi, c'est pas absolument évident, pourquoi dans un cas la cassure se passe ici et pourquoi dans l'autre cas elle se passe là. Du point de vue structural, ce n'est pas tout à fait évident. Mais en tout cas, ce travail, là, vous voyez dans cet article de Science en 2018, montre qu'un exemple d'un DPH2 maintenant qui n'est plus sous forme simplement apoprotéine, mais qui a non seulement le 4 fer 4 soufre, mais aussi la S-adénosylméthionine. Donc, en dépit du fait que, vous voyez, les séquences n'ont rien à voir avec une radicale SAM et que l'organisation générale de la protéine n'a rien à voir avec une radicale SAM, on est dans une chimie de type radicale SAM avec un intermédiaire où la SAM est fixée au fer soufre, comme dans les choses classiques. Et... dans ce travail-là, ce qui est intéressant, c'est à nouveau, par les outils, je dirais, de la chimie biologique mécanistique, avec les outils du marquage spécifique, des outils
de cinétique rapide, de piégeage d'intermédiaires et d'analyse spectroscopique, en particulier RPE et Andorre, et à l'aide de mutants dirigés aussi. Enfin, je veux dire, tout l'assemblage, c'est tout ce qu'il y a dans cet article, ce qui est tout à fait intéressant et qui valide le mécanisme. Aujourd'hui, l'enzymologie, c'est ça, hein, c'est aller très très loin dans la détection et la caractérisation d'intermédiaires réactionnels. Et ici, dans ce cas-là, il y a deux intermédiaires qui sont détectés, dans des temps très courts, vous voyez, 2 secondes, et un peu plus loin, un deuxième intermédiaire. Et si vous mutez l'histidine, alors laquelle l'histidine... Ah oui, bien sûr. Ça, c'est en présence du substrat. Hein. Vous voyez, il y a l'enzyme de synthèse, il y a le substrat avec son histidine qui va être alkylé, la SAM, le dithionine, parce qu'il faut toujours un électron. Vous souvenez, le fer soufre doit être réduit pour envoyer un électron dans la SAM pour qu'elle se casse en deux. Et vous voyez ici que lorsque on mute l'histidine substrat en alanine, à ce moment-là, le deuxième intermédiaire ne peut pas se former et le premier intermédiaire est stable parce qu'il n'a pas un substrat à attaquer. Et là aussi, je ne rentre pas dans le détail, mais avec des marquages, les mécanismes qui sont proposés, les intermédiaires qui sont proposés sont les suivants. Alors, on voit que l'intermédiaire 1 est un cluster fer-soufre dans lequel... il n'y a plus de SAM, mais il y a l'aminocarboxypropyl qui est le produit de la cassure de SAM, donc la partie 5' déoxyadénosyle et soufre est partie. Mais ce n'est pas ce radical-là qui n'a pas été observé dans ce contexte. Donc, d'une certaine façon, comme c'est souvent le cas, et vous l'avez vu, ces radicaux sont contrôlés par le cluster fer-soufre, et c'est bien ce qui se passe ici. Au fond, ça... c'est ce radical-là fixé sur le fer. Et ensuite, avec tous les marquages qui modifient les signaux, la proposition qui est faite, c'est que l'intermédiaire 2, ici, c'est l'intermédiaire dans lequel, et notamment avec ce radical-là, qui est couplé à cet hydrogène et qui fait ce doublé-là. Et donc, c'est le produit de la réaction de ceci, avec l'histidine, et évidemment, quand il n'y a pas l'histidine, ce truc-là est plus stable. Voilà un peu le type d'étude. À nouveau, le mécanisme de la diphtamide, réduction et cassure ici et pas là, formation de ce radical contrôlé sur le fer soufre, attaque sur l'histidine, intermédiaire 2, et ensuite, après perte d'un électron, production de l'intermédiaire qui ensuite va être méthylé pour faire la diphtamide. Ici, dans ce papier, dans Biochemistry, en 2019, vous voyez, c'est très récent, nouvelle structure, et dans ce cas-là, la protéine est avec son substrat. Ça, c'est assez joli quand on est dans ce domaine de l'enzymologie, des modifications de macromolécules, que ce soit des protéines ou des ARN. Évidemment, c'est un défi d'avoir des structures cristallographiques de l'enzyme avec son substrat étant une macromolécule, et dans ce cas-là, CEF2, et moyennant cette information ici de ce complexe, on voit que le système est parfaitement bien organisé pour faire une attaque radicalaire sur cette histidine. Vous voyez, ici, on a une boucle de EF2 qui vient dans le site actif, et cette histidine va être alkylée par ce morceau de SAM. Donc, nous avons rajouté au schéma radicalaire, après avoir ajouté le fait que ce radical 5' déoxyadénosyle, à nouveau qui était le seul qui était connu jusqu'à il y a très peu de temps, pouvait non seulement arracher un atome d'hydrogène, ça c'était ce qu'on a écrit pendant des années et des années et des années, depuis le milieu des années 80,
Plus récemment, vous avez vu que ce radical pouvait s'ajouter. Ça, c'était l'exemple de la voie de biosynthèse de la ménaquinone dont j'ai parlé la semaine dernière. Et là, on rajoute une autre chose, à savoir que la cassure radicalaire peut se faire ailleurs pour donner ce radical aminocarboxypropyl. Et tout indique qu'à l'avenir, on verra tout un tas d'enzymes qui utilisent ce radical. Pour le moment, c'est le seul exemple, mais j'anticipe qu'il y aura d'autres enzymes qui utiliseront ce radical. Alors, je vais vous parler maintenant d'un autre radical qui intervient dans la chimie de la SAM, aussi découvert très, très récemment. Eh bien, il s'avère qu'il y a des enzymes qui utilisent deux molécules de SAM. Et on peut se demander pourquoi elle ne fait pas le boulot avec juste le radical 5' déoxyadénosyle et que ces enzymes sont obligées de déplacer le système radicalaire réactif à une autre, dans une autre molécule. Mais vous allez voir que ce radical 5' déoxyadénosyle avec une première SAM, donc là on a une chimie classique, peut être utilisé pour radicaliser une deuxième molécule de S-adénosylméthionine par arrachement d'un atome d'hydrogène, donc une chimie assez classique, mais sur une SAM elle-même, où vous créez ce radical-là. Et ça, on va le voir sur plusieurs exemples. Voilà une voie biosynthétique très complexe. C'est la voie de biosynthèse de tous les macrocycles azotés de type porphyrine, chlorine, corine, etc., etc. Vous voyez, on arrive à des porphyrines, on arrive à des chlorophylles, à des bactériochlorophylles, etc. Des cobalamines, des M. Bon. Et tout ça part de cet acide aminolévulinique. Tout ça est très, très bien connu, hein, mais vous voyez, c'est une source de tout un tas de molécules absolument clés pour le vivant. Et je voudrais parler ici de cette enzyme MN qui transforme le coporphyrinogène en protoporphyrinogène, ici, cette étape-là, dans des conditions anaérobies. Parce que dans des conditions aérobies, c'est un autre système qui fonctionne, c'est MF. Et comme vous le voyez ici, cette réaction, c'est simplement, entre guillemets, parce que ce n'est pas si simple que ça en chimie, c'est la décarboxylation de ces deux bras carboxylates pour donner ces doubles liaisons. Alors ça, vous voyez, je crois que c'est la... Je vous avais parlé d'une structure qu'on avait faite à Grenoble sur I2, une des toutes premières, mais la toute première structure aux rayons X d'une radicale SAM, c'est celle-là. À l'époque où on ne savait pas encore très bien comment tout ça fonctionnait, et de façon très surprenante à ce moment-là, et sans rien comprendre, cette structure montrait l'existence de deux S-adénosylméthionines, vous voyez, assez proches les unes des autres, une fixée au cluster 4 fer 4 soufre, classique, et puis une pas très loin, interagissant avec toute une série d'acides aminés. La question, c'est, au fond, quel était pendant longtemps le rôle de cette deuxième SAM. Ce qui a été proposé au début, c'est la chose classique. Pendant longtemps, ça est resté le mécanisme. La première SAM fait un arrachement radicalaire ici, fait ce radical intermédiaire, décarboxylation et perte d'un électron, et on arrive à la double liaison. Alors, vous voyez, chaque fois, on se simplifie la vie en disant perte d'un électron, mais les électrons, ils ne se perdent pas comme ça. Il faut qu'il y ait un accepteur d'électrons spécifique. Vous verrez dans la littérature, ce genre de facilité est utilisé en permanence, mais il faut toujours avoir en tête que transfert d'électrons ou transfert de protons, il faut des accepteurs et des donneurs. Ça ne se balade pas comme ça librement. Et d'ailleurs, ça a amené certains à penser que peut-être la deuxième SAM était pour récupérer cet électron. Bon. En réalité, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Et notamment,
avec à nouveau des réactions de marquage, et notamment lorsque la S-adénosylméthionine est marquée ici avec du deutérium, c'est-à-dire CD3, on observe conforme ADO-D, c'est-à-dire le produit d'arrachage par ADO-point d'un de ces atomes de deutérium. Donc là, c'était la preuve que ADO-point tapait sur ce méthyle. Il s'avère que aussi pendant les réactions, vous voyez, ça, c'est des choses très très récentes. Vous voyez, on passe de 2003 à 2019. Hein, il a fallu du temps avant de comprendre ça. Donc tout ça est très récent. Au cours de la réaction, ils ont observé un sous-produit, une sorte de bavure du système, mais où on voit la S-adénosylméthionine accrochée ici à la au cycle, au macrocycle, et qui indiquait une addition de ce CH2 ou CH3 sur la double liaison. Et donc le mécanisme qui a été proposé, c'est le suivant. La première SAM fait ADO, point, arrachage d'un atome d'hydrogène sur la deuxième SAM, et c'est cette deuxième SAM radicalisée qui arrache un atome d'hydrogène pour donner l'intermédiaire qui va conduire à la décarboxylation et à la formation de la double liaison. Alors vous pouvez me demander pourquoi ce n'est pas ADO-point qui fait le boulot directement sur le substrat, ça serait exactement la même chose. Pas de réponse. En tout cas, c'est comme ça que cette enzyme a choisi de fonctionner. Et en fait, ce produit vient du fait que l'enzyme continue un peu à tourner in vitro, et comme maintenant il y a une double liaison ici, ce CH2 point peut réagir avec cette double liaison, et c'est ce petit produit-là qui était minoritaire qui explique, enfin qui est en faveur aussi de ce type de radical qui intervient de façon intermédiaire. Je rajoute que ce radical n'a jamais été vu directement, hein, d'accord. Et donc, ça exprime aussi, même si c'est artefactuel, hein, parce que d'une certaine façon, c'est artefactuel, ça, évidemment, l'enzyme in vivo ne fait pas cette chimie-là, c'est un artefact de la chimie in vitro, comme ça arrive parfois, évidemment, mais ça exprime quand même que ce type de radical peut aussi bien faire un arrachement d'atomes d'hydrogène, et c'est ce qu'il fait probablement dans la chimie normale de cette enzyme, mais aussi s'additionner à des doubles liaisons, donc on peut imaginer aussi demain des découvertes d'enzymes qui utiliseront ce radical pour faire ce type de chimie. Un autre exemple, c'est les enzymes de dégradation des M. Hein, lorsque la bactérie, par exemple, l'organisme veut dégrader des M, ce qui est parfois nécessaire. Donc vous avez deux systèmes. Vous avez l'M oxygénase qui dégrade l'M en biliverdyle. Ça, c'est en aérobie. Et pour les organismes qui fonctionnent en anaérobie, vous avez aussi la nécessité de dégrader les M. Et ça, ça se fait par une autre enzyme et par un autre mécanisme. Ça arrive hein, souvent. Vous voyez, je vous ai donné deux exemples où la même chimie en aérobiose et en anaérobiose utilise des mécanismes différents. Ici, c'est l'enzyme appelée ChUDW qui fait cette réaction. Et autant l'M oxygénase est une enzyme à fer, autant cette enzyme ChUDW est fer indépendante. Enfin, c'est ce qui était indiqué il y a quelques années. Eh bien, juste et en allant très vite, vous montrez que, en réalité, cette protéine est une protéine qui utilise la SAM et qui utilise deux molécules de SAM. Le substrat, c'est cette molécule,
il y a deux molécules de SAM, deux sites de fixation différents, et il y a un centre 4 fer 4 soufre qui fait adopoint, et ce adopoint sert à créer ce radical. Et c'est ce qui est indiqué ici. Une fois que vous avez formé ce radical, il s'additionne sur cette double liaison, et vous voyez que là, on a une véritable preuve que ce radical-là s'ajoute à une double liaison. Ce n'est pas comme dans le cas précédent où c'était un accident, un artefact. Ici, c'est la vraie chimie. Et ensuite, je ne détaille pas, mais ce CH2-là finit ici à travers toute une série de réorganisations radicalaires. Et là aussi, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Vous voyez, tout ça, ce sont des résultats très récents qui sont maintenant établis sur des systèmes qui étaient connus depuis très très longtemps et qui étaient mal interprétés et mal analysés. Dernier exemple sur cette chimie-là, là aussi très récente, c'est l'enzyme qui s'appelle NOS-N, qui est impliqué dans la biosynthèse de la nosyheptide, qui est ce peptide, ou celui-là. Non, c'est celui-là, pardon. Ça, c'est un intermédiaire. C'est un produit naturel, c'est un macrocycle, vous voyez, ici, et ça a des propriétés antibiotiques contre ces bactéries. Et donc, c'est pour ça que les gens étudient ce type de peptide, on étudie la biosynthèse. Et ici, dans ce cas-là, il y a une enzyme qui est radical SAM, c'est NOS-N, qui intervient dans cette étape-là. Vous voyez, il y a eu l'introduction d'un tryptophane ici. Vous avez un carboxylate à côté, un glutamate, et il y a une chimie qui lie les deux pour former ce cycle. D'accord ? Donc la question qui se pose, et on revoit ça ici de la même façon, vous voyez, un carboxylate là, un tryptophane, et ensuite on ferme le cycle. Et là aussi, vous pouvez comprendre assez facilement que l'introduction ici de liaison carbone-carbone sur un cycle aromatique du tryptophane, ce n'est probablement pas une chimie ionique, et donc on va impliquer des systèmes radicalaires. Bon, il y a tout un tas, bon là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là aussi vous voyez des choses très très récentes avec des analogues de substrat, avec des molécules marquées, enfin, etc., etc. Je vais juste vous montrer le mécanisme. Le mécanisme est le suivant. Vous avez la deuxième SAM, parce qu'il y a deux SAM, qui forment ce radical. Il s'ajoute sur le tryptophane. Et là aussi, à travers tout un tas de réorganisations et de fragmentations de ce radical, vous avez créé le lien. Alors, excusez-moi. Oui, voilà. Ici, donc, vous avez libération de ce thioéther, S-adénosyl homocystéine. Vous avez créé ce radical extrêmement réactif, avec un méthylène ici qui va être attaqué, c'est un site très électrophile, qui va être attaqué par le carboxylate adjacent, le glutamate, pour former la liaison oxygène-carbone. Et vous voyez que ici, les H sont en rouge parce qu'il y a eu du marquage de la SAM ici, et qui montre que le deutérium qui est introduit ici finit dans le produit final. Et donc, à la fois le carbone et l'hydrogène, juste cette chose-là vient du méthyle de la S-adénosylméthionine. Bon, c'est pas la peine d'en parler plus. Bon, voilà. Donc, je vous ai donné donc des exemples de toute cette chimie-là. À nouveau, hein, rappelez-vous que jusqu'à il y a très peu de temps, c'était ça qui était connu, cette voie-là. Donc on a introduit celle-ci,
un nouveau radical, on a introduit ce radical-là. Et ce radical-là lui-même, hein, vous voyez ici, on a arrachement et addition, et ce radical-là lui-même, il peut faire des additions et des arrachements d'atomes d'hydrogène. On a vu ça avec IM et ChuW. Voilà. Alors, je vais terminer en parlant d'une chose qui est, là aussi, était totalement inattendue, c'est-à-dire que, alors que la SAM est douée pour faire... Enfin, l'agent méthylant par excellence dans le monde vivant, à travers ce mécanisme ionique que je vous remontre, hein, utilisation de cette espèce très électrophile pour méthyler un nucléophile, donc c'est tout le monde énorme des méthyltransférases, qui conduit à des méthylations de grosses molécules, de petites molécules de toutes sortes, eh bien, on va s'apercevoir qu'il y a aussi des méthylations par mécanisme radicalaire. Et à travers toute une série d'enzymes qui ont été découvertes récemment et qui utilisent des mécanismes tout à fait différents. Et je vais vous parler de trois classes d'enzymes radicales SAM qui introduisent dans un substrat un carbone, qui peut être un méthyl, un méthylène ou un carbone, un atome de carbone. Mais là où il y a quelque chose de très très original, c'est que ce méthyl-là, même si c'est une enzyme SAM-dépendante, ne vient pas toujours de la SAM. Et donc, parfois ça vient de la SAM, c'est la classe C, ce qu'on appelle maintenant toute une classe d'enzymes qui s'appelle les radical SAM méthyltransférases, c'est-à-dire on combine transfert de méthyl et chimie radical SAM. Mais on va voir deux systèmes enzymatiques, deux classes d'enzymes qui utilisent pour introduire simplement un atome de carbone des cofacteurs différents. La classe RSMTA, c'est l'utilisation de la cobalamine, la méthylcobalamine pour introduire du méthyl. Et la classe B, le carbone vient du méthylène tétrahydrofolate. Vous voyez un petit peu la lourdeur de la machinerie enzymatique que les organismes vivants sont obligés de mettre en œuvre pour simplement introduire un méthyl. À la fois de la chimie radicale SAM radicalaire et des cofacteurs extrêmement complexes dont la synthèse, la biosynthèse elle-même, implique des dizaines et des dizaines d'enzymes. Vous voyez, c'est assez fascinant. Et pourquoi cette complexité-là? Eh bien, tout simplement parce que si ça marche bien, transfert de méthyl par mécanisme ionique avec des entités nucléophiles, eh bien, il y a tout un tas de molécules qu'il faut méthyler, d'accord, mais qui ne sont pas du tout nucléophiles. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, quand ce n'est pas nucléophile, eh bien, on ne peut pas faire cette chimie-là, donc on fait une autre chimie, c'est une chimie radicalaire. Voilà. Alors, je vais finir donc ce cours sur la SAM, sur ces enzymes-là, et vous montrer là aussi des résultats très très récents. Hein. C'est vraiment des choses inattendues. Et ça vient de... Alors la première classe, A, ça vient de l'étude de méthylation de molécules comme ça, phosphorées, ou de produits naturels. Vous voyez, gentamicine ici, vous avez ce méthyl-là, alors vous voyez l'introduction de ce méthyl sur ce carbone, évidemment ce carbone n'est pas du tout nucléophile. Introduction d'un méthyl ici, dans la thiostreptone, et ici, méthylation de ce phosphore. Tout ça sont des produits naturels, et le cofacteur additionnel dont on a besoin, c'est la méthylcobalamine. Alors, vous reconnaissez la cobalamine parce que je vous l'ai montré X fois, et il y a différentes formes de ce cofacteur, et il y en a un où le méthyl est accroché à ce cobalt, et la liaison cobalt-méthyl est assez faible et se casse de façon homolytique pour donner un CH3. Et donc le mécanisme est le suivant, c'est une enzyme radicale SAM qui fait de la chimie classique, production d'ADO, qui arrache un atome d'hydrogène sur le substrat, vous voyez, par exemple ici,
Il y a un H ici qui va être arraché pour faire un radical. Et une fois que ce radical est formé là, eh bien, il va réagir avec le méthyle de la méthylcobalamine, que vous pouvez, que, à nouveau, hein, je répète, vous devez imaginer comme un CH3 point, un radical méthyle qui est contrôlé par le métal cobalt. Et donc, radical-radical, couplage radicalaire, évidemment, ça marche très très bien et vous faites la liaison carbone-carbone. Et il s'avère qu'ensuite, le méthyle qui est là, qui est parti ensuite, rend le cofacteur, donne un cofacteur où le cobalt est nu, sans méthyle. Et comment il régénère son méthyle ? Il s'avère que c'est une SAM qui fait la méthylation. Alors, donc il y a une deuxième SAM qui intervient, mais par un mécanisme là qui n'est pas SAM, radical SAM. Voilà, donc ici, dans le cas de la production de cette molécule, qui est une qui est ce qu'on appelle la phosphomycine, qui a été très étudiée parce que c'est un antibiotique. Donc vous voyez, arrachement d'un atome d'hydrogène ici. Je prenons cet exemple pour la phosphomycine, ça c'est un herbicide. Bon, enfin, c'est pareil, mais puisque j'ai parlé de la phosphomycine, je continue. Donc, simplement, radical SAM, arrachement de cet atome d'hydrogène qui est bien placé pour capter le méthyle et formation du produit avec un cobalt qui n'est plus cobalt 3, mais cobalt 2, et qui va être méthylé ensuite. Deuxième classe d'enzymes, où là, il y a un autre donneur de méthyle. Alors, certains le connaissent bien ici, ce donneur de méthyle, c'est la méthylène tétrahydrofolate, c'est cette molécule. Ici, vous voyez, c'est un méthylène qui est... c'est une forme de méthyle qui est contrôlée entre deux azotes. Ce méthylène tétrahydrofolate peut exister sous différentes formes, et en voilà une stable. Et ici, je vais parler d'un exemple dans lequel cette chimie a été découverte. C'est la synthèse de la méthanoptérine. Alors, ceux qui ont une bonne mémoire se souviendront que j'ai déjà montré cette molécule. En tout cas, vous la reverrez dans les présentations de mes cours précédents, puisque j'ai longuement parlé de la méthanogénèse. J'ai parlé de tous les cofacteurs et toutes les molécules qui sont impliquées dans la méthanogénèse, et il s'avère que la méthanoptérine joue un rôle important. Et cette méthanoptérine, vous voyez, ça c'est une ptérine, ces deux cycles-là, c'est ce qu'on appelle une ptérine. Cette méthanoptérine, elle se trouve méthylée, ici à deux endroits, et ces deux méthylations, en position ici 7 et 9, sont catalysées par une enzyme qui a les signatures d'une radicale SAM, CX3-CX2C, qui, chez cette bactérie, s'appelle MJ0619. Et ce carbone, en dépit du fait que cette enzyme utilise de la SAM, ne vient pas de la SAM, mais vient de ce carbone-là. Donc, vous voyez, vous avez cette ptérine, vous avez une première méthylation. Oui, vous avez... voilà, c'est comme ça que se passe la chimie, excusez-moi. On part du GTP pour donner cet intermédiaire ptérine qui est méthylé avant qu'on rajoute les bras ribosyl-phosphate. Voilà comment ça se passe. Donc, là aussi, sans vraiment rentrer dans le détail, souvenez-vous donc que le substrat, c'est celui-là, il est ici. À nouveau, chimie radicale SAM classique, 5' déoxyadénosyl radical, et qui arrache un atome d'hydrogène, ici en position 7. Vous voyez, ce radical intermédiaire. Il s'avère qu'il est probablement positionné très proche de la méthylène tétrahydrofolate. Vous voyez ici cette molécule, vous voyez ce carbone qui était entre deux azotes ici, il peut être aussi sous cette forme-là, d'un méthylène, d'un iminium,
avec un carbone ici qui est très réactif. Et donc vous allez avoir un couplage carbone-carbone ici. Et vous voyez tout de suite qu'on vient de créer une liaison carbone-carbone avec le carbone de la méthylène tétrahydrofolate qui va ensuite finir en méthyle à travers, là aussi, toute une série de transferts de protons et transferts de radicaux pour donner la molécule finale avec la première méthylation. Et la méthylation ici en C9 va suivre le même mécanisme. Il s'avère qu'on peut marquer, et c'est comme ça que ça a été démontré, on peut marquer le méthylène tétrahydrofolate en marquant l'acide acétique précurseur, puisque c'est à partir de cet acide acétique qu'on obtient de la sérine marquée qui introduit le deutérium dans le méthylène tétrahydrofolate. Donc tout ça, c'est de la méthodologie qui vous montre qu'on peut faire du marquage sélectif extrêmement fin, in vivo. Et en tout cas, il a été parfaitement bien démontré ici que c'est ce carbone-là qui est introduit dans la molécule finale. Avant-dernier exemple, alors un exemple qui a été très très bien étudié avec des, vous allez voir, des très très belles structures cristallographiques. C'est un travail qui a été mené par Squire Booker, que je connais très très bien, un Américain qui a étudié des méthylations d'adénosine présente donc sur des ARN, soit des ARN de transfert, et l'enzyme qui fait ces méthylations s'appelle RLMN, vous voyez. Alors, donc là ce n'est pas un exemple d'ARN de transfert. Soit l'ARN ribosomal, il s'avère que RLMN fait aussi des méthylations d'ARN ribosomal. Vous voyez ici, vous avez l'adénosine de l'ARN ribosomal 23S qui est méthylée spécifiquement dans cette position C2. Et vous avez une deuxième enzyme qui s'appelle CFR qui fait la méthylation en position C8. Ces deux protéines sont des enzymes radicales simples. Et je vais vous montrer comment elles fonctionnent. Et là, c'est vraiment un mécanisme assez complexe. Mais là, on est dans la dernière classe, c'est-à-dire où le méthyle va venir de la SAM. Alors, comment elle vient de la SAM? Et la première information, vous voyez, ça date de 2011. C'est une structure cristallographique de RLMN où vous avez ici donc le site cluster fer-soufre avec la SAM. Et ce qu'on observe tout de suite, c'est qu'une cystéine, la cystéine 355, très proche du site actif, dans cette structure, est elle-même méthylée. Donc, là aussi, vous savez, hein, je vous ai donné déjà de nombreux exemples dans lesquels on obtient des structures ions X avec des choses curieuses qui reflètent, qui ont été stabilisées et qui reflètent la chimie qui a été mise en œuvre et qui, par accident, s'est stabilisée et qui permet de voir des choses. Et donc, ça a conduit à anticiper, puis ensuite parfaitement démontrer que la chimie qui a été mise en œuvre ici, ça a commencé par la méthylation de cette cystéine qui est très proche de la SAM. Et ça, c'est le premier exemple, à mon avis le seul, c'est le premier exemple où il y a une méthylation ionique en utilisant la SAM qui est fixée sur un radical SAM qui est destiné à faire de la chimie radicalaire. Jusqu'à présent, quand je vous ai parlé de mécanismes de méthylation ionique par la SAM,
c'était les méthyltransférases classiques, il n'y avait pas de fer soufre, c'était de l'attaque du nucléophile sur le méthyle. Là, c'est la même chose, c'est une attaque d'un nucléophile sur un méthyle, sauf que c'est le méthyle de la SAM qui est sur le cluster fer soufre. Et ça sous-entend qu'après méthylation, la S-adénosylhomocystéine ayant perdu ce méthyle s'en va, et il faut fixer une deuxième SAM. Et c'est cette structure-là, cet état-là, qui a été obtenu dans la structure cristallographique. À nouveau, vous voyez une autre image, le cluster fer soufre avec la deuxième SAM et cette cystéine 355 qui a été méthylée. Et vous observez ici qu'il y a une deuxième cystéine dont je vais parler, la cystéine 118, qui va aussi intervenir dans le mécanisme. Et donc, ce qui a été proposé et ensuite, d'une certaine façon, validé, c'est que vous avez le 5' déoxyadénosyle, vous avez une première étape où vous avez méthylation de cette cystéine, ensuite vous avez le 5' déoxyadénosyle, qu'est-ce qui fait ce 5' déoxyadénosyle et avec la deuxième SAM qui s'est fixée sur le fer soufre, et là à travers une chimie radicalaire classique, eh bien c'est d'arracher un atome d'hydrogène, mais pas celui du substrat, celui du méthyle qui est maintenant sur la cystéine. Et c'est ce radical-là qui va s'additionner sur l'adénosine. Et alors, il y a une bonne raison chimique pour ça. En fait, vous voyez, un carbone sp2 ici, c'est très stable. De sorte qu'arracher un atome d'hydrogène ici, n'est-ce pas, Youn ? C'est pas possible. C'est trop stable. C'est pas comme arracher un atome d'hydrogène sur un carbone sp3. Donc, il faut trouver une autre chimie. Et donc, la chimie qui a été trouvée, d'une certaine façon, c'est une addition pour donner ce radical intermédiaire. Là, à nouveau, par tout un tas de réarrangements, les chimistes maîtrisent tout ça, des transferts de radicaux, de doublés, une perte d'électrons pour revenir à l'état redox qu'il faut, vous avez cet adduit ici, et ensuite, vous avez la deuxième cystéine qui intervient, qui attaque là et libère le carbone sous forme d'un méthylène qui est ensuite protoné. Voilà. Donc, c'est assez incroyable comme mécanisme, comme utilisation de la SAM, à la fois l'utilisation de la SAM de façon ionique ou radicalaire, mais assez curieusement en utilisant le même centre fer-soufre radical. Fer soufre SAM. À nouveau, mécanisme, donc méthylation d'abord, fixation la deuxième SAM et chimie radicalaire pour créer ce radical-là qui va s'additionner sur le substrat. Et c'est cette façon-là qui est choisie pour introduire le carbone, c'est à travers un couplage, une addition et ensuite cassure de cette liaison. Tout ça a été magnifiquement démontré par, là aussi, toute une série de réactions de marquage et de piégeage de toute une série d'intermédiaires réactionnels. Cet intermédiaire-là a été piégé, celui qui vient de l'attaque de ce radical sur l'adénosine. Et cet intermédiaire-là a été aussi détecté. Il s'avère que dans un très beau papier dans Science en 2016, les auteurs ont eu une structure aux rayons X de la protéine avec un substrat ARN. Et ce que vous voyez, c'est dans cette structure-là, vous voyez le cluster fer soufre avec la méthionine. Vous voyez la 5' déoxyadénosine qui est présente. Cette molécule est toujours là. La méthionine, parce que là, je ne l'ai pas écrit, mais c'est, la méthionine est le produit aussi de cassure. Et vous avez cette cystéine qui est accrochée au substrat. Et donc, c'est la preuve qu'en effet, au cours du mécanisme,
vous avez un complexe covalent entre l'ARN et la protéine. Voilà, je vais terminer là-dessus. C'est le dernier exemple. C'est une enzyme dont j'ai beaucoup parlé dans le passé. Et donc, je vais vous montrer comment un atome de carbone nu, sans hydrogène, finit dans un cofacteur métallique complexe, un des plus complexes qui existent en chimie bio-inorganique. Donc, c'est la nitrogénase. Vous savez donc que cette enzyme est une enzyme clé de l'homéostasie de la planète, en l'occurrence, puisque c'est l'enzyme qui fixe l'azote pour donner de l'ammoniac. D'une très très grande complexité, c'est un cluster fer-soufre très complexe. Et très récemment, il a été montré que cet assemblage de fer et de soufre est non seulement fixé à la protéine par une histidine simplement et une cystéine, aux deux bouts, comme ça, mais contient au milieu un atome de carbone, un carbure, C4-, plus de protons. Il a fallu beaucoup de temps pour, pendant longtemps, jamais personne n'a imaginé que c'était un atome de carbone, donc si vous regardez l'histoire de la nitrogénase, vous verrez que les gens sont restés avec des atomes d'azote, des atomes de soufre, des atomes d'oxygène, enfin, etc. C'est du carbone. Et tout récemment, on a montré, il a été montré notamment par un magnifique travail de Marcus Ribbe aux États-Unis, que ce carbone qui était introduit ici était introduit grâce à une enzyme qui s'appelle NIFB, qui est une enzyme radicale SAM, qui a bien la signature d'une radicale SAM, qui fixe un cluster 4 fer 4 soufre pour faire la chimie radicale SAM. Mais cette enzyme a un deuxième site où elle peut fixer deux clusters 4 fer 4 soufre qui sont les substrats. Vous voyez que pour introduire un. Parce que ça arrive à la fin, hein, cette introduction d'atomes de carbone. Donc, le substrat de NIFB, ce sont des clusters 4 fer 4 soufre, c'est-à-dire des clusters 4 soufre qui rentrent et qui vont sortir pour aller dans une deuxième protéine, en l'occurrence la nitrogénase elle-même. NIFB, ce n'est pas la nitrogénase, c'est l'enzyme de maturation de la nitrogénase. Et donc, là aussi, tout un tas stratégies de marquage, enfin tout ça, pour montrer parfaitement bien que le carbone qui est ici vient de la S-adénosylméthionine. C'est le méthyl de la S-adénosylméthionine. Donc il y a une sorte de méthylation, mais après perte d'atomes d'hydrogène. Vous voyez que par ailleurs, il y a l'addition d'un atome de soufre, et ça, on ne sait pas encore très bien comment le dernier atome de soufre est introduit. C'est ce que je mets ici. Eh bien, ce n'est pas encore sorti, mais il s'avère qu'il y a une structure qui est sous presse, qui va sortir dans Gevent Chemistry. Donc, vous voyez, je vous parle vraiment de choses tout à fait récentes. Il y a une structure aux rayons X qui a été obtenue, toujours par Marcus Ribbe, où on voit le site, le 4 fer 4 soufre de la radicale SAM, mais on voit aussi les deux clusters substrats. Ils sont rentrés. Alors, je ne me souviens plus s'ils les ont introduits exprès ou si... Enfin, en tout cas, c'est une structure avec les substrats 4 fer 4 soufre. Et ce que vous observez, c'est qu'ils sont très proches les uns des autres. Alors, le radical SAM, il a une structure classique, vous voyez, avec trois cystéines, et c'est bien le CX3, CX2C, et puis un atome de fer, ici, qui pointe vers les substrats fer-soufre.
Et les substrats fer soufre ont une coordination avec des cystéines et puis un avec une histidine. Mais ce qui est tout à fait intéressant dans ces structures, parce qu'ils ont aussi la structure avec la SAM, c'est que la SAM fait un pont entre le radical SAM, ici, où la SAM est accrochée par sa partie aminocarboxylate, ça c'est classique, et ici, vous avez le ribose qui est en interaction avec les deux clusters 4-fer-4-soufre. Voilà, et donc ce qui est proposé aujourd'hui, même si les détails ne sont pas très très bien connus, c'est que, et là aussi ça vient des réactions de marquage, la SAM va d'abord être utilisée pour faire une méthylation classique sur un soufre d'un cluster fer-soufre. Et ensuite, et il faut le faire trois fois, vous allez avoir un arrachement d'atomes d'hydrogène de ce méthyl, et vous allez le faire trois fois parce qu'il y a trois atomes d'hydrogène à arracher. C'est l'hypothèse qui est faite aujourd'hui, donc avec une chimie classique 5' déoxyadénosyl radical. Arrachement, 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 transfert d'électrons. On est comme dans la chimie que je vous ai indiquée pour RLMN et CFR. Donc ce sont des cas où vous avez l'introduction d'un atome de carbone grâce à une radicale SAM. Ici, ce sont des méthyls, ici, c'est un carbure, qui utilise la SAM pour la chimie radicalaire et la SAM pour l'introduction du méthyl. Voilà. Voilà le schéma final que je n'ai pas eu le temps de faire aussi joli que le reste. Ça à la main, bien sûr, comme vous le voyez, mais vous avez tout ici. C'est-à-dire qu'à nouveau, j'étais parti pour vous parler de la SAM, de notre article avec Mohamed Atta en 2004, TIPS, Nothing Goes to Waste, c'est-à-dire que la SAM est utilisée par tous ses bouts. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent, de mon point de vue, en biologie, sur l'utilisation aussi extensive d'une molécule. Vous voyez, c'est cette idée très, très connue, très classique, hein, que la nature fait, avec très peu de briques, un très grand nombre de choses, 4 bases nucléiques et pas 50, 20 acides aminés, c'est déjà beaucoup, 20, mais voilà. Quelques métaux, pas tous ceux de la table de Mendeleïev. Et puis, dès qu'il y a une molécule qui est intéressante, elle est exploitée au maximum. Et la SAM, c'est vraiment the exemple de molécule biologique utilisée à l'extrême. Et en 2004, la seule chose qui était connue, c'était ça. Et c'était le tout début, hein, de la chimie radicale SAM. Et vous voyez, tout ce qui est sorti à nouveau par réduction de la SAM, on n'obtient pas que à deux points, on peut obtenir d'autres radicaux qui peuvent s'additionner, d'ailleurs j'ai oublié de le mettre, mais qui peuvent aussi arracher des atomes d'hydrogène. À deux points peut non seulement arracher des atomes d'hydrogène, et ça c'était ce qui était connu, mais aussi s'additionner. Une deuxième SAM peut conduire à un autre type de radical qui peut arracher des atomes d'hydrogène ou s'additionner. Et enfin, après avoir créé un radical substrat, une méthylation, ou, enfin, j'ai mis entre guillemets parce que, comme vous l'avez vu, ça peut être un méthyl, un méthylène, un carbure, peut être introduit en combinant soit la méthylcobalamine, soit le méthylène tétrahydrofurane, soit la SAM. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter. J'ai pris beaucoup de temps, mais bon, j'ai une certaine, une certaine affection, je dois dire, pour cette molécule, pour avoir contribué à ce domaine il y a quelques années. Mais à nouveau, je pense que c'est un exemple à nouveau très 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 intéressant
d'exploitation de, d'une molécule alexée. Et donc, je vais m'arrêter là. La semaine prochaine, vous aurez la chance d'entendre deux exposés, puisque je vais parler d'un autre type de réaction, ce qu'on appelle des, enfin, donc des oxydations en absence d'oxygène. Et à cette occasion, Muriel Lombard nous parlera d'un, d'une question qu'elle traite, qui est un exemple de métabolisme anaérobie dans lequel il se passe des modifications oxydantes. Et donc, comment faire des oxydations quand le milieu est super réducteur et sans atomes d'oxygène, puisqu'il n'y a pas de, d'air. Donc, c'est ça qu'on traitera la semaine prochaine, et ça sera la dernière, le dernier cours de cette série. Et je vous remercie.